l'école optionnelle Yves Prévost, on aime faire découvrir aux enfants les artistes de notre région. On a un coup de cœur pour M. Pierre-Paul Bertin. M. Pierre-Paul Bertin est un artiste qui vit très près de notre école et il nous a inspirés beaucoup. On est allé même visiter ses œuvres à l'exposition « Lumière et mouvement ». Et plusieurs classes sont revenues avec le goût de créer à la manière de Pierre-Paul Bertin. Alors, on a monté une petite exposition des œuvres créées par les enfants, inspirées de cet artiste-là. On a eu la chance, nous, d'avoir Paul Robert Bertin, qui nous a offert du matériel suite au décès de M. Bertin. Et on lui a rendu hommage il y a déjà 10 ans de ça. Alors, maintenant, on veut faire redécouvrir M. Bertin à la nouvelle cohorte. Alors, je pense que c'est réussi. Les enfants sont contents parce que ce sont des œuvres colorées. Et même ses œuvres en noir et blanc montrent bien son mouvement. Les enfants ont été inspirés par l'exposition « Lumière et mouvement » de M. Pierre-Paul Bertin. Et certains avaient même vu, du coin de l'œil, les œuvres, les sculptures de son jardin, puisque M. Pierre-Paul Bertin habitait très, très près de notre école. Puis, ses œuvres nous touchent aussi. Ils dépeignent les saisons autour de nous et aussi, il y a autant l'abstraction que le concret, les couleurs, la lumière qu'on retrouve. Alors, toutes ces choses-là attirent les enfants parce qu'il y a tellement de variétés. On aime Pierre-Paul Bertin! Thank you.
notre école Yves Prévost, nous avons un coin art. Et dans ce coin, nous découvrons plein d'artistes de notre région, comme Pierre-Paul Bertin. Pierre-Paul Bertin avait une rue à son nom et avait fait une sculpture proche de cette rue. Aussi, il avait aussi un jardin avec des sculptures de lui. Monsieur Bertin aussi faisait beaucoup de sortes d'art comme la peinture, le collage, les sculptures et le fusain, et aussi plein d'autres sortes. Aussi, cet artiste y allait beaucoup avec les mouvements, des lignes courbées, des lignes droites, et aussi des fois sur ses arts, il collait des morceaux de carton ou plein d'autres choses. Moi, au début, quand je voulais commencer, je voulais au début faire un fond coloré, tout coloré, et coller quelque chose dessus. Mais finalement, j'ai décidé d'y aller avec les lignes courbées comme Bertin faisait, et aussi des lignes droites. Et à la fin, j'ai décidé de rajouter de la couleur pour que ça fasse un petit peu éclatant.